Deuxième partie, on fait le texturing, enfin on met en place la texture de la jante. Hop. Donc où en étions-nous? Nous avions pris l'image du logo BMW. Donc on va utiliser le clic droit plus le bouton Shift. On maintient et on bouge comme ça. Donc on va le faire prendre. On maintient avec le clic droit. Voilà, ici, c'était voilà. F pour diminuer le brush, pour que ça fitte parfaitement, et boum. Voilà, vous pouvez le voir dans la vue en 3 dimensions. Voilà, c'est fait. Alors, par contre, ça me gêne, parce qu'il n'est pas bien droit, il devrait, BMW devrait être bien, là, il s'est un petit peu penché. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On peut faire... Ouais. Je peux retourner normalement le logo. Ouais, je sais pas comment faire. Ouais, non, non, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Hop, on passe en... Edit mode. On passe en vue. On prend, on fait L, sectionne le tout, on fait R. On fait une rotation comme ça. Hop. Et on revient sur texture paint. Et là, on appuie sur paint. Et là, c'est bon, normalement. Si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon ben voilà, on a pratiquement terminé. Bon, il faut juste hop, rajouter quelques shaders vite fait. Alors, on va rajouter un petit shader gloss, un mix shader. Voilà, pour pouvoir bien paramétrer. Voilà, ah oui, ben, jante texture. Ben, on va faire pack SPNG, on va l'enregistrer dans le fichier lui-même. Je vais. Il faut regarder, je vais appeler ça jante BMW. Je le sauvegarde sur mon bureau parce que voilà, je range après. Hop. Et donc on a. Ouais. Comme ça. Donc. Alors, on va dans environnement texture, on va rajouter un texture sky, c'est très important, ça marche surtout avec le background mode. Hop, on paramètre vite fait pour ce soir. Hop. Ah, bah oui, on va laisser ça à 1, hop, on va dans object mode, on prend un pas un cube, un plane, on extrude, on... voilà, on agrandit, hop, tac, émission 5, hop, voilà, voilà, donc on a notre jante. Alors moi ça me plaît pas tout à fait, mais ouais, c'est bon, hein. Alors on va reprendre notre jante. On va utiliser l'outil proportionnel, donc en appuyant sur haut. Là, make a point, l'outil proportionnel. Comme ça, on va s'arrêter. Ok, c'est bon. Comme ça. Sauvegarde encore. Là, on va le retourner. Hop, on va ici. Rotation sur l'axe des X 90 degrés. Voilà, comme ça. Hop, juste comme ça, j'en ai pas besoin. Ça taille un peu. Hop, là, voilà.
Shift D, hop, 180 degrés, hop, 180 degrés, 180 degrés, hop. Ah oui, j'ai oublié de faire un smooth. Smooth, ici aussi, smooth, 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 et surtout très important, ça c'est la petite touche du mètre. Non, je sais pas un mètre. Edge split, hop, edge split, encore edge split. Alors vous aurez remarqué que le subdivision modifier s'est appliqué automatiquement. Dès qu'on fait un booléen, c'est ça le souci, c'est que ça applique le subdivision. Hop. Et on fait ça, et voilà. Voilà nos jantes. Voilà. Réalisé très 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 facilement grâce à l'outil booléen. Alors, ça c'est mieux. Voilà, on va prendre l'objet. Bon, en gros, vous avez compris l'idée, hein. Il s'agissait de modéliser des gens grâce à l'outil booléen. Donc on arrive à des résultats qui sont très 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 encourageants et sans trop de difficultés, visiblement. Donc ici, on est vraiment dans le Blender facile. Voilà, donc voilà, vous avez votre jante. Alors bien sûr, bon, c'est pas tout parfait. Je vais juste annuler le rendu. On va revenir là. On prend celui-là. Alors. On va y voir. Ouais, on peut extrude. Ctrl Z, on retire la proportionnelle. Voilà. On fait ça. Alors. Sélection des phases, Z. Voilà, toutes les phases sont là. On fait U, un rat. Là, on le retrouve là. On rapetisse un peu comme ça, on les fout dans un coin. Où ça gêne la personne. Hop, on va le mettre là. Comme ça. Voilà. Ah bon, d'accord. Alors 360, voilà. Et voilà. On a un petit rendu, un peu sympa, j'en veux 25. Et voilà. Vous avez vos jantes en alu avec la marque PMW. Petite texture rapide rapide. Bon, j'aurais pu faire mieux mais j'avais pas le temps. Voilà, voilà, voici vos jantes. Allez, à la prochaine.